Envoyés avec dextérité, les grappins s'envolèrent simultanément du fossé et s'accrochèrent pour la plupart au sommet de la muraille. La nuit était claire en ce mois de juin de 1380 et très vite, silencieusement, les hommes gravirent le rempart percé d'archères. Aucune sentinelle ne donna l'alerte, il y en avait peu d'ailleurs. La forteresse de Chalucet semblait en effet inexpugnable. La cathédrale Saint-Étienne était bouclée, avec des gendarmes appelés en renfort. Mathieu attendait le capitaine Vinois à l'entrée principale, située dans la base massive et carrée du clocher. Philippe Bayeuhache, conservateur régional des monuments historiques, grand et gros, avec son imposante moustache grise, était crucifié sur deux poutres qui ressemblaient vaguement à des traverses de chemin de fer. Pour son premier roman policier, Laurent Bourdelat donne vie au capitaine de police Léonard Vinois, qui est aussi propriétaire d'un bar à vin. C'est le premier d'une série qui va à chaque fois mêler une enquête qui se passe aujourd'hui, mais un épisode de l'histoire du Limousin. Et en ce qui concerne ce roman, en fait, il y a un lien avec les brigands qui se sont emparés du château de Chalucet au XIVe siècle. De l'ambiance médiévale ressortent anecdotes historiques, faits d'armes et déjà de géopolitique. L'aller-retour est permanent entre le XIVe siècle et le Limoges du XXIe. J'ai voulu faire un chapitre qui se passe au Moyen-Âge, avec des événements vrais pour la plupart, et puis cette enquête contemporaine, et donc je joue entre les deux périodes qui, à un moment donné, vont se rejoindre. Ça permet une liberté, ça permet de s'amuser et de faire découvrir une période historique médiévale, mais à travers cette enquête, de le faire de façon un peu ludique, si vous voulez. L'enquête policière est aussi le prétexte à redécouvrir Limoges et ses environs. Comme pour toute bonne enquête, l'intrigue commence par une scène de crime peu banale et avec une personnalité crucifiée. Le mort, donc, l'on découvre, on peut le dire, parce que c'est au début du roman qu'on retrouve mort d'une façon particulière sur la terrasse de la cathédrale Saint-Étienne. En fait, il allait devenir le conservateur du site de Chalucet, justement. Donc, il y a un lien très fort avec le lieu qu'on va découvrir au fur et à mesure. En fait, je me promène aussi, je me souviens, donc il y a beaucoup de souvenirs autobiographiques pour l'un ou l'autre des personnages. Et puis, c'est une autre façon de faire découvrir, donc, à la fois le site de Chalucet, mais aussi à nouveau la ville de Limoges, bien entendu. Et pour vivre une autre enquête du capitaine Vinois, il faudra patienter une bonne année. A priori, ça va être un roman par an, et donc il y aura toujours un rapport, je le disais, avec un événement historique du Limousin ou une période historique. Et je peux vous dire que le prochain sera en partie consacré à la Révolution française, vue de Limoges et du Limousin.